Salut à tous, c'est Crazy, bienvenue dans le troisième épisode de ce Let's Play consacré à Cities Skylines. Nous revoici dans la petite ville de Rockwood, que nous n'avons pas renommée encore. Mais qui se développe particulièrement bien. Nous sommes ici dans un petit parc que nous avions installé dans le dernier épisode, ici, dans notre petite bourgade qui commence à prendre une certaine allure. Et je voyais juste avant de commencer qu'on avait des petits problèmes d'alimentation en eau ici, qu'on va tout de suite résoudre en traçant les canalisations adéquates. Très important les canalisations hein, dans une ville. Alors par contre ici, je ne suis pas du tout satisfait. C'est bon. Maintenant je suis satisfait. Donc la ville se développe lentement mais sûrement. On est beau au niveau de la santé, on n'est pas trop mal au niveau des pompiers. Pas trop mal au niveau de la police, on est limite au niveau de l'éducation, on va rajouter une école très bientôt je pense. Au niveau des parcs on avait fait pas mal de choses, au niveau des ordures je pense qu'on était bon également. Et on a encore des problèmes d'eau ici, ah ouais dis donc je suis pas attentif à ce niveau là, hop voilà. Donc pour l'instant les besoins sont bons, ils sont même excellents. Et oui, on a d'autres parcs ici qu'on va pouvoir installer. C'est de la prospérité. Place Lazaret. Et ici, statut shopping. Très bien. On trouvera une place adaptée pour ça. Donc, je parlais éventuellement de rajouter une école. On va peut-être faire ça. Ici, l'éducation n'est pas terrible. Je pense qu'on va en mettre une, genre, vous voyez, par ici. En fait, on va zoner un peu d'abord dans cette zone. Comme ceci. Et on va même venir mettre nos fameux parcs là. Ils sont un peu gros quand même ces parcs là. Pas mal, pas mal. Et donc, je voulais mettre une école, comme je le disais. Sinon, j'ai le collège. Qu'est-ce qu'il a ? 1000 en capacité d'étudiants. Mais pour l'instant, c'est les écoles élémentaires hein, dont je vais avoir besoin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un collège. Ah ouais, c'est un autre type de collège. Un autre style de collège, on va dire. Alors, je serais plutôt amené à... Non, on va la mettre là. On va la mettre là, l'école. On va la mettre là. De toute façon, je pense qu'on reliera cette route peut-être plus tard à l'avenue. C'est bien joli, je trouve, comme ville. J'espère que ça vous plaît, les amis. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'ai bien envie de terminer en beauté cette route-là. En faisant une boucle... 90 6 non c'est très très moche ça. Très 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 moche. On recommence. Si je fais ça, ça va être trop long. 5 alors. 5 5 5 5. Ah, l'impression que c'est un peu tordu, hein. L'impression que c'est un peu tordu. Est-ce qu'on va y arriver? 7, 5, on va essayer. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, s'il y a de la place pour mettre quelque chose ici, ça serait encore mieux.
Ouais, non, c'est pas terrible ça. Hein. Je suis pas trop chaud pour faire ça. Ah, on a encore des problèmes de flotte là. Ah, par contre, là, je pense que ouais, c'est la disponibilité en eau qui est plus bonne. Est-ce que j'avais remis le budget correct pour ça? Oui. Nous allons rajouter un château d'eau. Ouais, par contre, l'eau, elle est un peu polluée par ici quand même. Hein. J'étais en train de me dire effectivement que ça n'avait pas d'incidence. Mais ça, on a bien une. Donc, les châteaux d'eau, on va peut-être plutôt les mettre par ici. On va venir déplacer celui-ci d'ailleurs. Pour éviter d'avoir des problèmes à l'avenir. On va vite le connecter par contre. Voilà le travail. Voilà, ça nous évitera d'avoir des problèmes de santé liés justement à la pollution de l'eau pompée du sol. Alors je sais que la demande résidentielle est forte. Mais pour l'instant, on va zoner doucement. Comme on avait commencé à le faire depuis le début de la partie. Alors ce que je voulais faire, c'était ça depuis un certain temps déjà. C'est des parcs que j'avais récupérés là qui m'ont l'air fort jolis. Ce qui consiste à mettre un truc comme ça. Ce bout là ici et ce bout là ici. Alors dommage qu'il soit pas bien collé. Il y a un petit bout de terre là, mais bon. C'est pas mal du tout. Et du coup, on va faire une nouvelle route tout à fait biscornue. À 15 unités ici, 15... sur 15. On va peut-être diminuer un peu. On va passer sur 10. Je vais essayer de gagner l'espace qui est en dessous. Pas mal, pas mal. Ah ouais, du coup par contre on n'a pas la même taille des deux côtés là, ça c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça se voit pas trop à l'œil nu, donc à la limite c'est pas une catastrophe. Hein. Ah si, ça se voit quand même, hein. Ça se voit quand même. Un peu, mais bon. Une fois que les bâtiments seront en place, on fera plutôt attention, je pense. Alors, ce que je pourrais faire aussi ici, qui pourrait être sympa, qu'on n'a pas fait encore, qu'on n'a pas encore fait, pardon, c'est un tunnel. Démarrer de là. On va faire 8 sur à peu près 40 degrés. Voilà. Qu'on parte du même endroit, ce serait pas mal. On va faire comme ça. Je
suis en train d'imaginer toutes sortes de choses là, les amis. J'espère que vous ne me prenez pas trop pour un malade mental. Ah, par contre, ouais, il est en train d'essayer d'accrocher la route là. Ce qui est normal, me direz-vous. Voilà, faire quelque chose comme ça. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Normalement, si mes calculs sont bons, tout va bien se passer. J'essaie juste de réutiliser l'espace justement perdu à cause du tunnel. J'espère que mon plan va fonctionner. Mon plan était le suivant. Après, je suis pas obligé de faire des courbes à tout va. Je peux tout simplement faire une ligne comme ça. Quoique non, ça va pas être le must ça. Faut mieux la faire à la limite justement du tunnel. Comme ceci. C'est totalement inutile, mais c'est joli, donc indispensable. Je vous ai dit que j'allais faire des choses un peu biscornues. Hein. En m'en attendant, on a des gros problèmes d'énergie. Ah oui, parce que là, ma centrale a commencé à mourir un peu. Dans d'atroces souffrances, on va accélérer un peu le temps, là, histoire de gagner un peu plus d'argent. Du coup, je n'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Alors, à force de faire de la décoration, effectivement... On fait n'importe quoi. Alors du coup, on va juste prendre après. On va profiter hein, d'y avoir accès pour rapidement réalimenter tout ce beau monde. Au niveau de l'eau, on a assez. C'est bon, on a retrouvé l'électricité. C'est parfait. Et bien c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Donc on va continuer de zoner par ici. Je vois bien des zones commerciales moi dans ce coin là. Partout ici là. Voilà, on va faire en sorte que ce soit des zones commerciales. Ici je vois bien un petit parc. Qu'on va choisir très rapidement. Non, je rigole, on va mettre 3 heures encore. Ne vous inquiétez pas, rien ne change. Celui-là, on en a déjà un, je crois. Mais c'est pas grave, il est très joli. Donc on va le mettre. Et on va... Bien entendu, amener de l'eau partout par là, histoire de pas avoir de rébellion. Alors sinon, un parc qui prendrait toute la place, là, ça serait peut-être un peu mieux. Parce qu'encore une fois, le dallage en face, là, n'est pas symétrique. C'est un peu problématique ça. Ah ici celui-là j'aurais presque pu le mettre. C'est fort dommage. Alors, sinon j'avais ceux qui étaient là. Ça aurait pu être pas mal plutôt de mettre celui-ci à la place. Parce qu'on va faire celui-là, on va le déplacer. On va le mettre provisoirement par là. Ça, ça sera parfait ici. Et on va venir mettre celui-là juste là.
Magnifico. En plus, c'est une zone commerciale juste en face, donc ça tombe à pic. Et on va rajouter des arbres. Par là, avec notre brosse à arbres. En fait, c'est peut-être pas forcément le plus pratique parce que du coup, elle est pas aussi précise que le clic de souris. Donc vous n'arrivez pas forcément à bien remplir comme il faut avec autant d'arbres que vous le souhaiteriez. Donc on va faire comme ça plutôt. Très bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis en face, on va mettre des habitations. Dans ce quartier tout à fait chic de la ville. On commence à s'étendre vers la côte là, mine de rien. Alors je suis désolé, du coup la ville ne se développe pas très vite, mais j'essaie de faire des choses assez classieuses. Du coup ça va être difficile plus tard, je pense, de détruire tout ça. Ça va me faire mal au cœur si on est obligé de le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme. Il faut que je fasse attention aussi à mes folies dépensières. Ah, 2600 habitants. On a les transports, magnifique. Bâtiment unique niveau 3, le bus. Utilisation ludique. On a des intersections. On a le dépôt de bus, le cimetière. Très bien. C'est parfait. D'ailleurs, on va faire un petit tour ici. On est toujours en bon au niveau des soins. Ici, on est bon. Là, c'est pas mal. On sera peut-être obligé d'en rajouter plus tard. L'éducation, on est bien. Au niveau lycée, par contre, ce serait pas mal qu'on en ait un. De le centrer par là, là où les habitations sont présentes. Ça sera très bien comme ça. Alors je sais pas si ici beaucoup de choses vont se développer, on verra bien. Je sais pas si le tunnel est beaucoup emprunté aussi. C'est plutôt pour le look, hein. Je pourrais peut-être le détruire plus tard, on verra bien. Et au niveau de l'avenue, je pensais éventuellement. La faire passer ici par-dessus et faire à peu près le même genre de truc ici. On va encore perdre de la place si je fais ça par contre. Est-ce bien grave? Je ne pense pas. Allons-y. Donc. Sauf que l'avenue elle n'existe pas en face. Ça c'est un peu problématique. Cette avenue là elle est un peu toute seule. Alors du coup je vais pas faire le pont là dont je parlais. Ce serait un peu ridicule. Par contre on va la faire couper par ici. Alors il va peut-être m'embêter là pour la route. Ouais, il va dire qu'on est trop près. C'est un peu embêtant ça. Voilà, on va supprimer le petit bitonio qui est là. C'est pas mal. Je
cherche des idées en même temps, hein. Espace déjà occupé. Un truc comme ça, ça m'aurait bien plu éventuellement. À combien là, 61 degrés. Je sais que ça fait perdre de la place, mais bon. Moi, je trouve ça joli. Et je vous avais promis une ville créative, hein, donc on part sur ce concept. Ah, par contre, là, on commence à avoir pas mal de pollution, fatalement. Donc la plage ici, elle va pas forcément être très utilisable. Hein. On utilisera plutôt ce bord de plage là. Quand on sera amené justement à travailler sur la plage, on sera obligé de la déporter un petit peu. Ah, par contre, les gens ne sont pas forcément contents. Les gens ne sont pas forcément contents. Bonheur est bon quand même. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. C'est ma population qui décroît. Je dis n'importe quoi. En même temps, il est très tard hein, chez moi. Je vous... Juste pour la petite info. Alors du coup, j'en profiterai peut-être là maintenant pour relier la route ici. Vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas un problème de cerveau, j'essaie juste de de trouver le bon angle pour ma route. Qui, je pense, est un peu tordu en fait. Est-elle tordue? J'ai l'impression, moi. Donc celle-ci, elle va dans cette direction. L'autre ira également dans l'autre direction. Pour l'instant, on s'en occupe pas trop. Alors ici, je ne sais pas combien... À quelle distance j'étais. J'étais à 14 unités. De mon avenue, donc à peu près ici. Donc on va juste détruire un bout. Et puis on va faire venir la route comme ceci. C'est pas très 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 joli quand même. En fait, je pense que mon pont devrait peut-être commencer un peu plus loin parce que la pente elle est quand même raide là. Hein. C'est pas très réaliste. Hein. Si vous voulez mon avis. Du coup, je vais peut-être peut-être corriger ça. Tout de suite. Des trucs un peu bizarres des fois quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire, on va la faire monter déjà d'un petit cran ici. Comme ceci. Et voilà. Et à partir de là, on pourra faire notre courbe.
On a 17. Voilà, c'est un peu plus joli quand même, hein, n'est-ce pas? Puis on va en faire de même par là. Alors les routes, elles sont pas de la même taille là. Normalement maintenant. Alors attends, je suis obligé de les allonger, je pense là. Ah non, elles sont toujours pas. Toujours pas de la même taille. C'est un peu pénible. Bon, c'est pas grave. Ça ne se verra pas trop. Donc on avait dit. Une unité, on lève. Tac, pareil ici. On s'occupera du sens juste après, vous inquiétez pas. Ah, ça se voit quand même un peu, hein, que c'est pas la même, la même distance là. Ça me perturbe un brin. Hein. Perturbe un brin cette histoire. Ah, ça va pas être trop mal là. Voilà. Six, tac. Ah, c'est un peu mieux déjà. Alors, ne nous trompons pas dans le sens de la route. Celle-ci arrive comme ça. Et là, donc, elle doit également arriver comme ça. Hop. Non. Ici, c'était bon. Voilà. Et celle-ci repart dans l'autre sens. Donc là, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Là, on est bon. On est bon, on n'est pas bon. Et là on est bon. Parfait, c'est pas mal ça, on remet le jeu en lecture. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Alors est-ce qu'il m'aura remis des feux là par hasard? Ouais, on va les enlever. Très bien, très bien. Donc déjà, ça nous fait de nouveaux accès. Enfin, ça nous prolonge plutôt l'accès à la ville. On va amener jusque là. Peut-être pas jusque là parce qu'à mon avis, on va tout simplement la faire arriver sur la grande avenue. Qu'on va prolonger jusque là. Qu'en dites-vous les amis? Moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, ça on le verra un peu plus tard lorsque les problèmes de trafic commenceront à émerger. Chose qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc on est plutôt content, on va dire. Alors c'est pas mal, on a toujours de la demande résidentielle bien entendu. Est-ce qu'on est bon au niveau des différents services? Je contrôle de temps en temps quand même. La couverture de pompiers n'est pas terrible. Au niveau collège on est bon, au niveau école on est très bon également, parfait. Niveau bus on s'en occupera peut-être un peu plus tard. Puis on va peut-être commencer aussi à donner un nom à nos districts là. Et on va peut-être également augmenter un peu la taille de notre zone industrielle. Qui finalement n'était pas très grande. Elle n'a pas trop suivi le rythme de développement de la ville. Il n'y en avait pas forcément besoin de toute façon. Donc on va juste rajouter quelques industries par-ci par-là.
histoire de répondre à la demande. On va même en rajouter un bon paquet, comme ça il y aura de quoi faire. Cimetière nécessaire, ah oui tiens, ça c'est effectivement, ce serait effectivement une bonne idée. On va s'en charger, on va lui faire une petite place bien sympathique à ce cimetière. Alors, comment allons-nous procéder? J'ai bien envie de faire quelque chose de joli encore une fois. Parce que c'est pas tout petit un cimetière. Ça a même cette taille là. Bien bien. Alors en même temps, faut pas trop que je m'amuse avec ça parce que c'est un service important pour la ville et si les véhicules n'y accèdent pas facilement, ça risque de poser un peu problème. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre là. Les habitants sont de toute façon contents qu'il y ait un cimetière autour de chez eux. Donc c'est parfait, on va mettre un peu d'eau quand même, histoire que celui-ci soit alimenté correctement. Et puis on va le décorer un peu en y plaçant quelques petits parcs et même éventuellement... J'en place jamais ça. Des routes pour les passants. Ah non, ça c'est pour les... C'est pas pour les passants ça. Elle est là la route. Chemin de gravier. On va faire ça. Espace déjà occupé, tiens donc. Ah oui, non, j'étais sur la route. Voilà, on va faire contourner notre chemin de gravier. Comme ceci. Très bien. On y placera peut-être quelques arbres. Et je vais voir si éventuellement on aurait des petits parcs sympathiques. Pas forcément une plage, hein, mais quelque chose qui pourrait... Non, ça c'est trop grand. Qui pourrait rendre ça joli. On va mettre un comme ça de chaque côté. Ah, je ne peux pas le placer là, c'est dommage ça. Sinon on va mettre des arbres tout simplement. Tout autour comme ça, on va prendre notre temps pour bien les positionner. Vous allez me hurler dessus en voyant tout le temps que je perds à faire ça. Mais vous étiez prévenus. Je vais bien prendre soin de ma ville. Bon, en même temps c'est pas plus mal. Vous ne pourrez pas vous plaindre que j'ai été trop vite cette fois-ci. C'est bien de prendre son temps, c'est vrai que les... d'ajouter des petits détails comme ça, tout de suite ça rend les choses beaucoup plus agréables à regarder, à jouer, puis ça peut vous donner des idées vous-même pour vos parties. Voilà, ça c'est un cimetière, voyez-vous. Ça c'est un cimetière, ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Alors, on a énormément de demandes résidentielles. On va essayer d'y répondre tout de suite. En ajoutant moult et moult zones résidentielles. Ouais, il manque une avenue quand même dans ce coin-là. Hein. Parce que j'en ai qu'une ici. J'ai qu'une artère là. Et finalement, ça va peut-être manquer un peu. On va peut-être manquer un peu d'espace. Ce que je vais faire, je vais compléter déjà ici. Quoi qu'ici, je voyais plus du commercial, moi, pour l'instant, sur les bords comme ça. Alors, par contre, ici, on va mettre du résidentiel, ça c'est sûr. Comme ceci, on va en mettre également par là. Alors, est-ce que je vais pouvoir...
faire quelque chose dans ce genre-là. C'est vrai que c'est vraiment pratique ce petit outil là. Permet de voir les angles au mieux. Si j'arrive à avoir un 180 parfait là, ça va être à mon avis compliqué. On va se contenter de ça. Alors 14 c'est trop, 13. Non, 14 alors c'était bien. Ouais, 14 c'est bien. Oups, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Non, mes touches clavier, on va pas y arriver. Et j'ai bien envie de mettre que des armes, moi, à la limite, dans ce coin-là. D'avoir quelque chose d'un peu boisé en ville, pas que du tarmac qui est partout. Alors du coup j'utilise pas la brosse parce que finalement c'est pas si pratique que ça, parce que comme je vous le disais, ça vous permet pas de combler tous les espaces. Alors que là je peux bien le faire. Paf 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 paf. On va rajouter un peu derrière ici. Et voilà la zone de mon cimetière qui est faite. Parce que certes le cimetière c'est un service, mais il faut que ça soit bien fait. Et là je pense que c'est pas trop mal. Voilà, ça fait une zone un peu boisée. Très bien. Donc, faut qu'on s'occupe, bien entendu, de rajouter des habitations. C'était le but de base des travaux que j'avais commencé à faire. On va continuer cette avenue là, qui est particulièrement pratique. Alors, ma ville, elle est un peu en longueur hein, pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Ça changera peut-être un peu plus tard. Là, c'est pas mal. Donc, on va tout de suite venir mettre des habitations partout ici. Ici également. Là, même si je pense mettre des parcs. Genre on va prendre ce carré là et ce carré là, peut-être ces deux là plutôt, et on va essayer de trouver un parc qui prendrait pas trop de place. Ouais, ils prennent tous de la place, ils prennent tous au moins ah non, ceux-là ils sont bien hein, les petits, ils sont bien carrés là. Ils rentrent pile poil là où il faut. Ceux-là, ils sont un peu trop gros, vous voyez. Ils débordent un peu. Ah, celui-là, il est bien. On va mettre ça. Donc, je l'ai mis sur celui-là. Non. 1, 2, 1, 2, 6. Voilà, on va essayer de faire ça de manière logique. Et on va rajouter donc des habitations ici. Parfait, parfait. Alors il manque de l'eau, bien entendu. Mes canalisations étant bien trop petites. On va jeter un œil au service également, parce qu'il est possible que on arrive rapidement en galère.
ici on va, je pense, plutôt partir par là. On va suivre la route. Je vais tracer des belles canalisations comme ça. Bon, elle est pas mal notre petite ville. J'espère que ça vous plaît les amis. Moi je la trouve particulièrement jolie. On va essayer de continuer sur cette lancée, histoire d'avoir quelque chose qui soit au final assez assez homogène, on va dire. Alors la demande commerciale n'est pas très très élevée là, donc c'est vrai que j'ai de la place un peu ici pour pouvoir me développer. Peut-être éventuellement créer des écoles, collège, école, on est bon. Commissariat, on est bon. C'est peut-être une caserne de pompiers qu'il me faudrait dans cette zone là. On va venir en placer une par ici, non loin de l'avenue. Voilà, histoire de sécuriser un peu cette zone. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça me plaît bien, moi j'espère que c'est également le cas pour vous. Alors je tourne pas mal de, je tourne pas mal d'épisodes les uns à la suite des autres. Donc les commentaires que vous pourriez me laisser ne me parviennent peut-être pas directement. Je sais pas combien d'épisodes je vais tourner à la suite, mais ne vous inquiétez pas. Si je ne réponds pas à vos commentaires et je ne n'applique pas éventuellement vos différents conseils, c'est tout à fait normal. Et on va se laisser là pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. J'avais oublié de mettre mon petit timer là, du coup on a un peu débordé, c'est pas grave, on s'est bien amusé. Donc j'espère que la série vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !